Hey, si tu veux aider Lucas dans ses projets, oublie pas de t'abonner et like la vidéo. Hésite surtout pas à le suivre sur Twitch. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Harvest Moon The Wind of Phantos pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a la quête principale à finir juste en haut à gauche. Et surtout, on va voir Ella. On va voir Ella et j'ai eu plus d'informations via les commentaires. Et coucou toi. Ah, je suis trop content. On va pouvoir faire la petite quête principale et avancer dans le jeu, c'est clairement. Donc, je vais juste mettre les graines qui me restent sur moi, voilà. Comme ça, c'est fait. C'est fait de chez fait. Arroser ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu l'information par rapport à le lama. Par rapport à Fâché. Fâché qui est un lama qui a besoin d'affection, bien évidemment, comme tous les animaux de Harvest Moon. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. En tout cas, là, je viens de réaliser que c'est vrai que ça paraît logique qu'il faut attendre d'être à 100% d'amitié avec. Et quand on est à 100%, effectivement, juste en bas à gauche, on peut voir que quand on le caresse, on a un boost de 12 minutes. 12 minutes de chaleur, donc très clairement, le lama est très important dans l'hiver. Donc si vous voulez, résister au froid pendant l'hiver, vous avez le lama, si vous n'avez pas encore la tenue, parce que je pense qu'on aura une tenue, vous avez le lama, du coup, qui se situe à peu près un peu partout hein, dans l'automne, on peut voir un petit peu là, un peu partout sur l'automne, beaucoup sur les pics montagneux, mais le plus intéressant pour apprivoiser le lama, ça reste quand même ici. Ici, on l'a apprivoisé ici, et il est très très bien ici. C'est le plus facile parce que quand on est dans des zones telles que ici, là et tout, en fait, on est obligé de monter et quand on se fait repérer, je crois que ça baisse d'amitié. Donc, c'est pas fou. Donc, voilà. Je vous ai donné les petites bases pour ceux qui se posaient la question. Moi, je me posais la question, j'ai eu la réponse à ma question et c'est super utile finalement. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, bien évidemment, Ella, pour voir une petite cinématique, peut-être, parce que dans le dernier épisode, on l'a vu, on l'a parlé, mais on n'a pas eu de cinématique, donc potentiellement, aujourd'hui, on aura une cinématique. Est-ce que je peux les sortir ou il y a une tempête? Je peux les sortir. Je pensais qu'il y aurait une tempête, mais je peux les sortir. Généralement, tu ne peux pas les sortir quand t'as une tempête ou quoi? Après, je ne sais pas, là, si c'est une tempête ou pas, en fait. J'arrive pas à savoir. On dirait que le vent souffle fort, mais c'est pas... C'est pas désagréable, quoi. Bon, je sais pas. Bon, passons. On va aller voir notre petite Ella, bien évidemment. Ella qui est très importante dans notre vie, parce que c'est notre future femme. Faut le rappeler, je rappelle à tous les épisodes. C'est notre future femme. J'ai envie d'avoir un enfant. Et surtout qu'on a objectif de finir le jeu à 100%. Donc, vous voyez, toutes les quêtes, là, tous les encyclos, il est où? C'est là. Les encyclopédies, là, de potager et tout. Tout ça, là. Tout ça, faudra le finir en entier, hein. Les mutations des plantes. Les mutations des fleurs. Tous les plats, faudra tous les faire. Tous les poissons, faudra tout pêcher. Tous les minerais, faudra tout trouver. Tous les raffiner. Tous les animaux, faudra tout adopter. Du moins, découvrir. Donc, caresser. Potentiellement. Voilà, il y a tout ça à faire. C'est une dinguerie. Je suis content, ouais. Je suis content de vous pouvoir vous proposer ça. Vraiment, j'arrive pas à savoir. Hein, c'est... Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de cinématique? C'est quoi? C'était pas encore à 100% et là, c'est à 100% vu que je l'ai parlé ou... Non. Mais du coup, je fais comment? Bah, écoutez. Ah, ah c'est bon, c'est bon. Je vais dire, écoutez, je vais donner une camomille. Mais en fait, non, c'était pas à 100%. Il devait manquer un petit micro-pourcent. Oh, Lucas, attends un instant. Bientôt, ils seront de retour. De qui? Quoi? Les enfants? Les gosses? Ah oui. Madame est là, regardez, j'ai fini mes devoirs. Tes devoirs? Hein? Genre, elle fait des cours de peinture maintenant. Une image d'un fruit. Moi aussi, j'ai vraiment travaillé dur... sur la composition. Oui, ils ont l'air excellentes. Tous les deux. Tu as très bien travaillé. Mais du coup,
Elle est à l'aise avec Elle est à l'aise avec son travail maintenant? Grâce à vous, madame Ella. Mais vous ne pensez pas que vous avez besoin de travailler à dessiner des lignes droites, hein? Pour aider dans ça, pourrais-tu me dessiner tes bâtiments préférés? Genre, il y a des immeubles là. Genre, là. Il n'y a que mes bâtiments préférés et toutes les maisons se ressemblent. Désolé. Lothar a dit qu'il aimait nos dessins. En fait, il veut les mettre dans le magasin. Oh, ça veut vendre! Et ça veut voler le job de Ella! Ah ouais! Et plutôt, Julie a dit qu'elle voulait que je dessine un portrait d'elle. Elle a dit qu'il lui ressemblait complètement. Ah ouais! Vraiment, je suis contente. Ça me fait plaisir de vous entendre dire que ça se passe bien. Ah bah! Quand t'avais pas confiance en toi, effectivement, oui. Avec la vieille folle là qui est venue te rabaisser. D'accord, dans ce cas, je vais montrer à tous mes travaux et voir ce qu'ils en pensent. À plus tard, madame. Madame est là. J'ai commencé à apprendre à dessiner à ces deux-là. Ils essayaient tellement dur par eux-mêmes. Ok, ils ont essayé par eux-mêmes et c'était tellement dur. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Laisse-moi te dire qu'il reste encore beaucoup de choses à renseigner sur l'art, mais il y a tant de choses qu'il peut apprendre aussi. Peuvent apprendre aussi. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ils n'avaient aucune peur de montrer leur travail à d'autres personnes. Bah, ils sont naïfs. Je peux toujours pas montrer mon travail aux autres sans ressentir un énorme sentiment de peur. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Mais maintenant que les enfants ont montré leur dessin et que les gens réagissent bien. Je me sentirais peut-être mieux de le faire aussi. C'est cool, c'est une confiance qui vient en elle, du coup. Tu vas féliciter mon travail. Tu vas féliciter mon travail, bien évidemment. Et ça veut dire beaucoup pour moi. Merci de m'avoir parlé quand nous sommes rencontrés ce jour-là et de m'aider toujours. Pas de soucis, t'es ma future femme. Grâce à toi, je suis souvent Quoi? Je me suis souvenu à quel point c'était bien de recevoir des compliments sur mon travail. J'espère pouvoir te montrer encore plus de mon travail et de moi-même à l'avenir. Ah! Si tu veux montrer ton boulot sur toi-même, il n'y a pas de souci, hein? Moi, tu sais. Bon, on perd pas le temps, hop, hop. Bam, bam. Bien. Bam. Oh. Non, on n'a pas débloqué. Attendez, quoi? C'est 5 max? Nenda. Attendez, c'est 5 max? 5 notes de musique max? Là, on peut rien faire. On peut pas avoir plus d'amitié avec elle. C'est 5 max. Oh! Est-ce que ce serait pas le moment pour nous de bientôt se marier? Hein? On va potentiellement peut-être se marier? Mais du coup, c'est un boost infini? Ah, c'est un boost chaque jour! Bleu. Pas grave, c'est déjà bien en vrai. Un boost chaque jour, c'est déjà bien. Tous les matins, tu te lèves, t'as pas froid. C'est déjà bien pendant 12 minutes. En vrai, c'est la moitié de la journée. Ça va encore. Bonjour!
Je viens vous donner ce que vous avez besoin pour finir la quête principale. Merci, maintenant. Tiens, pour la peine. En tous les cas, mes autres docteurs commencent à se faire vieille. Ils ont besoin de... Ah, de réparation. Tiens, tiens, tiens. Docteur, un docteur. Un docteur. Ça, c'est important, ça, un docteur. Platine. Quoi? Attendez. Si. Si, si. Platine, platine. J'ai platine. Platine, j'ai. Je m'en rappelle, j'ai la platine. J'ai la platine. J'ai le disque de platine, t'inquiète pas. Faut juste le raffiner, mais je le raffine avec qui? Le forgeron derrière? Ouais, sûrement. Je vais aller voir. Normalement, j'ai un disque de platine et c'est largement faisable. Largement faisable. C'est juste un de platine. Question... Ça ressemble à quoi, le platine? Oh! Oh! J'en ai qu'un seul! Oh, la destinée! Oh, la destinée! J'en ai qu'un seul. Et moi-même, je me rappelle plus où je l'ai trouvé, le disque de platine. Et je sais pas ce que je voulais faire, mais bon, pas grave. Je sais plus du tout le platine, je l'ai trouvé où? Providence ou... Je sais même pas. Je sais même pas si je l'ai trouvé dans Providence ou autre. Alors là, je sais que j'avais beaucoup la mine de Providence. J'ai pas encore fait la mine de la neige, mais je suppose qu'on doit trouver pas mal de platine vu que c'est à ce moment-là où il nous demande... Ah oui, merde, bah oui. J'ai pas raffiné le platine. Je me disais, mais attendez, mais pourquoi il veut pas? Mais oui, c'est... Lucas, il est bête. Je suis bête. J'ai pas raffiné le platine. Logique. Logique. Bonjour, bonjour. Je viens raffiner du platine. Si vous autorisez... Il n'y a pas... Alors là... on n'a pas une description. Encyclopédie. Minerai. Toujours la même chose de toute façon. Platine. Ah, Zimagra Ouest, mine Ouest. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir où ça se trouve. Let's go. Minerai peut être raffiné pour produire du platine. Ouais, mais tu le raffines chez qui? Chez qui tu le raffines? Chez Doc. Valeur sûre Doc. Je pense. Doc qui raffine tout, non? Même pas, je vais aller voir. Je pense qu'il raffine tout, Doc. Doki Doc, est-ce que tu peux raffiner mon platine, s'il te plaît? Par hasard, il raffine pas le platine. Ah, valeur sûre, je vous ai dit. Doc, c'est valeur sûre. Il raffine de tout. Doc, il est vraiment, il raffine de tout. Ça fait plaisir, ça régale. Doc, il régale. Ouais, hop. Let's go, on a notre petite platine raffinée. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'il raffine pas la platine. C'est peut-être parce qu'on n'a pas débloqué tout le mur en entier. Peut-être si on débloque tout le mur en entier, il va raffiner, commencer à raffiner tout. Ce Doc, il raffine tout, hein. Doc, on n'a pas ce problème-là avec Doc, hein. Les autres villages, on peut pas tout raffiner, mais... Doc, lui, il arrive, il dit « Ok, il n'y a pas de souci, je fais le fait. » Par contre, c'est 100 pièces après, hein. Ah, t'inquiète, j'ai déjà... Et encore quoi? Oh, faut donner le minerai à Lina. Non, moi, je pensais qu'il fallait lui donner à lui. Lina! Oh! Et il râle. Oh, mais Lina, quand même! Bonjour, Lina. Salut. J'avais le minerai depuis un temps. Mais apparemment, je devais faire des quêtes avant de te le donner, alors que je pouvais te donner depuis longtemps. Donc, ouais. Pas ouf, hein. Oh, let's go. Non, on dirait qu'on vient de se présenter pour le mariage, quoi. On dit au père de Karl... Au père de Karl. Au père, donc du coup, Karl, que je viens épouser sa fille, là. La dinguerie. C'est vraiment avec le minerai, il a vraiment fait une petite aiguille, ça me fumerait de rire. Oh! Oh, mec, il est magnifique!
Mais c'est magnifique! Excusez-moi, mais c'est de toute beauté, hein. Pour le moment, je suis en train de... Je suis en train de bander derrière. Wow! C'est pour moi? Je n'ai pas les dialogues, hein, c'est... Bon, la flemme, il est trop long, hein. Déjà qu'on a passé du temps avec Ella, je galère à lire, donc... Traduction peut être bancale des fois, donc bon. Let's go! On voit pas, mais let's go! Ma tenue! Ok, c'est une tenue pour moi, du coup. Ben, let's go! Ben, let's go, let's go! Et du coup, je suppose que c'est une tenue, voilà, traditionnelle. Et que c'est pour ça que la lutingue, la petite lutingue, va être content. Que c'est une petite tenue traditionnelle. Ah, ok, je me dis, du coup, il est là ou pas? De retour, si chaud. Ah, c'est une tenue traditionnelle pour elle! Ton Enda? On a vraiment jarté le mur, là. Let's go! Let's go! Vous savez pourquoi je dis let's go? Parce que dans le dernier épisode, du moins un épisode tuto, je suis parti dans la mine, dans le volcan, pour faire un tuto pour vous montrer où se trouve la mine du volcan, et j'ai découvert une zone! Une zone pour monter tout au sommet du volcan. Et comment on monte au sommet du volcan? Eh bah, il fallait débloquer ce mur-là, et on l'a débloqué. Et ça, c'est trop bien! Et du coup, est-ce que la petite déesse de la moisson est finie? Attendez, attendez, attendez. Non, parce que je suis très très curieux. Je suis très très curieux par rapport à ce que je viens de débloquer, le sommet du volcan. Du volcan. Ah, au pire, vous savez quoi? Prochain épisode, on fait de l'exploration. Prochain épisode, on fait de l'exploration, on découvre tout ça. Tout ça. On fait ça, je pense qu'on va faire ça à prochain épisode pour l'exploration de toutes les zones qu'on n'a pas fini de découvrir. Au moins, on aura découvert à 100% la map. Ça fera plaisir. Donc, quand je dis 100%, c'est surtout les TP, je pense. Mais là, ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai la tenue chez moi? Parce que je veux bien une tenue, en fait. Je veux bien une tenue pour résister au froid, si possible. Bah, je sais pas si c'est faisable. Bonjour. Ouais, est-ce que... Ah! Je peux pas avoir une autre tenue? Est-ce que je peux acheter une tenue chez... J'ai un doute. Je pense pas pouvoir avoir une tenue de chez... Ouais, parce que c'est pas un bâtiment où on peut vendre les tenues. Ne vous inquiétez pas, on va aller faire la quête principale. Je suis juste curieux. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ça. Non, non, même pas. Ok. Et du coup, est-ce que lui il vend ou c'est que des quêtes principales? Ah, c'est pas un magasin, hein. C'est pas comme là où on a des magasins. Ouais, bah pas grave. C'est pas grave. Let's go, on va aller à la quête principale. On va avancer un petit peu. Je pense qu'on arrive à la fin de l'histoire et après on sera en... J'allais dire en roue libre. Oui et non, je vous dirais. On va faire un objectif finir le jeu à 100%. Et du coup, je pense que ça va forcément être dans le tryhard de passer les jours et les jours. Ouais, elle est de nouveau libre. Du coup, tu peux rentrer chez toi. Et aller trouver le Sasquatch tout seul. Non mais du coup faire les skates secondaires ce serait cool. Et let's go! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça là. Tout le monde qui revoit leur famille. Pour le coup. Parce que tout le monde s'est réuni à Providence. Comme la capitale. Comme si c'était une capitale. Vu que c'est le seul endroit, c'est le seul village d'ailleurs. Où il n'y a pas eu de mur. Et c'est pour ça qu'on m'a dit que il faut vivre dans le village de Providence pour augmenter ses étoiles. Du coup. Parce que tu peux pas pour le coup... augmenter ses étoiles comme ça. Alors là, c'est quête secondaire, mais du coup, pour la quête principale, il n'y a plus de quête principale. On est d'accord. Là, c'est finito. On a fini au niveau des quêtes principales.
que je pense. Hein. Celle-là, c'est que des quêtes secondaires. À part ça, ça peut être une quête principale, vu que c'est une quête où c'est pour faire un festival. Ça peut être une quête principale. On a aussi le Sasquatch, qui est une quête secondaire, mais entre guillemets principale. Car c'est quand même faire une photo. Voilà, photo du Sasquatch. Pas rien. Et on pourra l'apprivoiser, aussi, le Sasquatch. Donc je regarde, mais ouais, on a fini les quêtes principales. On pourrait essayer de choper les quêtes secondaires. D'ailleurs, je le vois en bleu. Ça peut être considéré comme quête principale si je le vois en bleu. Ah ah! Je vois pas toutes les quêtes secondaires en bleu. Lui, oui, par contre. C'est dans cette maison-là? On va aller voir. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est une quête principale? Chargement. Effectivement. Potentiellement une quête principale. Pour la DS, peut-être? Qui sait? Regarde, désolé d'être perdu dans mes pensées. Non. Non. vous avez une minute? Il y a quelque chose que j'aimerais demander. Ma sœur Vivi est sortie de la DS. Dans le désert. Merde, elle est sortie dans la DS. Sortie du désert. Elle est toujours pas revenue. Ah! Ah! Elle est en vadrouille dans le désert! Ah! Pour avoir fait un petit tour dans. Attends, pour avoir fait un petit tour dans le désert, ouais, faut aller la sauver. Voilà la sauver! Voilà la sauver! Elle est où? Dirige-toi vers le désert. Au centre du désert, ben let's go. J'ai déjà exploré tout. Bonjour Vivi. Oh Vivi, comment ça va Vivi? Ah, je l'ai fait en 2 secondes. Cette tempête de sable est incroyable. Je ne vois rien. Toutes les années, la maison. Dockpad. On voit rien sur le dockpad. Bah ouais. Bah ouais. Non, ce serait trop facile. Bien oui. Et du coup, on n'a pas fini les quêtes principales. Effectivement. Ouais, je suis plus long la cinématique. Ah, parce qu'on cherche Vivi, là. Oh, Vivi. Oh, Vivi. Elle n'est pas là. C'est ça qu'elle me dit à chaque fois. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Allez, 3, 2, 1. Pas ? Ah si. Elle n'est pas là. Ouh, on est bientôt arrivé. Ah, je suis pas bien. Pas bien. Tiens, ça va ? Bonjour, il y a quelqu'un? Ah bah voilà Vivi. Eh ça va, le sable, tout ça, on s'en fout. Oh Lucas? Tranquille. Joël, crains pas le sable. Joël, tranquille. Vas-y, j'ai déjà découvert, fais pas le choquer. Fais pas le choquer, j'ai déjà découvert tout ça là. Oh, incroyable, une oasis. C'est bon, j'ai tout découvert. Comme arrivé à l'oasis, bah oui, je connais déjà. Comment ça, elle a des trucs pour guérir, quoi? Ah oui, c'est vrai qu'elle nous fait résister au froid ou un truc comme ça. Ou à la chaleur. Quand t'es dans cette eau-là, ça donne un coup de froid et du coup, ça tu résistes à la chaleur. J'avais complètement zappé. La DS se barre. Le dockpad appelle. Longue cinématique. Ah, c'est... attendez, on va retirer la tempête là? Non, me dites pas qu'on va retirer la tempête. Ou juste on peut se localiser sur la map. Ah, parce que pour ressortir, ils savent pas où on ressort. J'en ai arrivé à la... Ok! J'avais pas capté. En fait, ouais, là, le résumé est très simple. On s'est perdu à l'intérieur, on ressort grâce à la DS qui est partie voir Doc.
Ah, ça revient demain à Providence. Bon, y a pas de souci, je reviendrai demain. Mais est-ce que... Alors, on va pas jouer le diable, parce que sinon faudra se suicider. Est-ce que... Pas du tout. Est-ce que... Pas du tout. Bon, mais pas grave. Bon. Ah là là, on a fait de ces dingueries aujourd'hui en vrai. Bon, mes biches, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ça fait super plaisir parce qu'on a enfin dégagé le mur. C'est magnifique. Vraiment, je suis heureux. On avance beaucoup dans l'histoire. Bientôt, peut-être qu'on aura fini l'histoire, qui sait? Mais on avance très très bien. Demain, on doit aller avoir à Providence pour voir un petit peu ce qu'on a à faire. Mais sur ce, je vais m'arrêter ici. Demain, on va faire de l'exploration. Enfin, demain, pour vous, c'est dans après-demain. Donc, c'est tous les 2 jours les épisodes. Demain, c'est Ark qui sort. Dans ce cas, gros bisous à vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous activer la cloche parce que vous êtes 80% à regarder mes vidéos, mais pas à être abonné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir. Et bah, du coup, je vous dis après-demain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est très important. Et à la prochaine, des bisous! Elle danse dans la pièce, elle me tend la main.